Merci, Carré-Presse, de m'avoir informé de ce dont je n'aurais jamais été informé. N'eût été de la déclaration de presse et dans l'article publié par QMI, on m'informe que les armes conçues pour avoir des chargeurs de grande capacité seraient bannies. Donc, tous les Ticlins qui ont une 303 Lee Enfield reconditionnée de la dernière guerre pour chasser, une 22 Coué 10 balles pour chasser et une Winchester 6-7 balles dans le canon, ce seront fort probablement, éventuellement, des armes prohibées. Je suis tanné. Bien tanné. Mais ça va arriver, là. On est dans la mouvance, on a Justin Trudeau. Ça va arriver. Ça pourrait, avec Price puis Mayou, avec le combo Price et Mayou, pas sûr que ça va arriver si vite que ça. Est-ce que nous deux, on est capable de brosser la marmite pour pas que la sauce prenne au fond?